Les jeunes leaders et militants politiques du bloc républicain de la commune de Banté se sont retrouvés pour une journée de réflexion ce samedi 24 septembre à la maison des jeunes de Banté. Sur initiative du leader BR Jean Abalo, cette séance a pour but de trouver des solutions aux différents maux qui nuisent au développement du parti dans cette commune. Depuis un certain moment, il y a assez de mouvements au sein du BR. Et la guerre de leadership a failli emballer les jeunes. Et nous avons pensé qu'il était normal que nous nous retrouvions avec ces jeunes pour discuter des réalités du développement. Ce que nous pensons, nous désirons pour la commune de Banté. Et enseigner ou sensibiliser la jeunesse à abandonner la guerre de leadership et faire en sorte que nous puissions nous donner la main pour le développement réel de notre commune. L'un des objectifs de ce rassemblement est de réussir un brassage entre les nouveaux et anciens du parti BR. Ces derniers sont heureux d'avoir un leader en la qualité du docteur Jean Abalo. En tant que jeune, je me demandais si celui-là pouvait faire la politique et il allait rentrer dans BR. Et on était là, comme la venue du Seigneur Jésus, je vais le dire, le monsieur a fait une déclaration pour dire qu'il rentre dans la mouvance politique et plus encore dans BR. Et étant jeune BR, je me suis dit que ça y est, c'est le développement de Banté. Quand il entre donc dans BR, ce n'est pas donc à cause de ses intérêts personnels. C'est toujours à cause donc de cette vision qu'il a, cette vision donc du développement, de la prospérité partagée. Cette journée a permis au docteur Jean Abalo de présenter à nouveau à ses militants les avantages et opportunités liées au projet Iloukoya. Le projet Iloukoya, c'est 11 programmes d'action de développement à la base. Ces 11 programmes retracent bien les besoins à la base, ce dont la population à la base a vraiment besoin. Ces 11 programmes les retracent. La joie dans le cœur et sur les visages, c'est l'idéal que transmet le docteur Jean Abalo à la jeunesse de Banté, qui selon lui est le fer de lance de la société.